Les bénévoles nous ont rejoints hier soir pour le montage de la scène et l'aventure va commencer mercredi avec ses 37 concerts jusqu'au dimanche 1er septembre. Florence, oui. Je préférais que tu te mettes avec moi parce que Anne-Laure, elle a déjà ici et tu te mettes avec elle. 37 concerts, dont 20 ici à l'abbatiale de la Chaise-Dieu, des concerts symphoniques et des concerts de musique sacrée dans la grande tradition du festival. Alors vous savez, le festival de la Chaise-Dieu, c'est une alliance entre le patrimoine et la musique, parce que le propre du festival, c'est de faire des concerts de grande qualité dans des lieux patrimoniaux d'exception. Et je crois que l'ambiance, elle vient en particulier de cette atmosphère conviviale qui naît dans ces lieux qui sont absolument exceptionnels. C'est un lieu qui invite à la grandeur, à la majesté et où notamment les programmes symphoniques et choraux, qui sont un peu la marque de fabrique du festival, et bien résonnent avec éclat. Donc c'est vraiment un lieu pour les grands effectifs ici à l'abbatiale. C'est des gens qui ont une attente particulière, qui viennent ici pour écouter des choses différentes de ce qu'ils peuvent écouter par ailleurs dans de grands auditoriums urbains.